Salut à tous, c'est bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Jurassic World Evolution. On est sur la théorie du chaos 4, me semble-t-il. Si mes souvenirs sont bons. Ah, je vous avoue que, effectivement, comme j'avais fait pas mal d'enregistrements à un moment donné, donc ça fait un petit moment que je suis un petit peu en arrière là, je sais plus trop où on en est. Ok. Attendez, 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 pause. Augmente le nombre d'espèces, donc il me manque une espèce. Ok, j'ai le bordel là. Il n'y a rien dedans, ça marche. Est-ce qu'on a quelque chose là-dedans? Oh, on va regarder le plan. Ok, là on a des Galliminus. Ok, ça marche ici. Voilà. Ici, on a juste T-Rex, ça marche. Et ici, nous avons des Ceratosaurus. Ok. Ok. On n'a rien, il n'y a rien qui se recherche, il n'y a pas d'XP. C'est quoi ça? Ah, d'accord, c'est désactiver le machin de secours, ça marche. Voilà. Alors j'espère que vous aimez toujours aussi bien accéder aux fossiles. Est-ce qu'on a des fossiles en stock? Nope. Ok. Est-ce qu'on a des recherches en stock? Je sais plus c'est quoi qu'il fallait qu'on voit. Ok, on peut rechercher. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je prends 3, ok. On va faire ça. Et tapir ira après, on pose, je pense. On va le remettre en. T-Rex, ça a l'air d'être docile. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il manque une espèce, il faudrait que je mette une espèce avec les Gallimimus, je pense. Je pense, après, c'est pas une certitude. Là, de toute façon, on va faire tranquille. Honnêtement, cet épisode sera tranquille. Alors, petite question, vous allez me répondre dans les commentaires. Dans le PlayStation Plus Extra, il y a Stranded Alien Dawn. La question c'est est-ce que ça vous tente qu'on fasse un petit MP dessus, des vidéos dessus? Ou nope. Ça vous intéresse pas du tout. Moi je vous avoue que c'est exactement le style de jeu que je kiffe. Donc voilà. À vous de voir. À vous de voir, moi ça va pas m'empêcher de jouer à côté, hein, mais bon, ça aurait été sympa quoi. Si on se faisait ça en vidéo. Moi, en contrario, ben ça m'oblige à. Alors, comment je fais déjà? Carré. Hop. Scientifique. Oui, tapis, pas en congé. Et puis on va mettre en congé Pizarro aussi. Toi. On va mettre tout cela là. On les met en congé là. Comme ça, et tous. Et après, ils sont en bonne forme. Et après, on envoie en expédition. Et je crois qu'il y a le côté aquatique en plus dans celui-là. S'il me semble bien. Si je regarde les recherches, il me semble qu'il y a l'aquatique aussi. Attendez, ça c'est l'aquatique, non? Reptile marin, yes. Oh. Construire un bâtiment opérationnel, lagon bassin. Ok, ça marche. Il va falloir qu'on fasse la recherche avant.
Ici, on a quoi? Amélioration de traitement des blessures, ça peut être pas mal. Amélioration de l'efficacité 2. Amélioration du personnel, ça pourrait être pas mal ça de le rechercher en priorité en fin de compte. Hein. Ok. On rappelle plus trop de la map. Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit Non, c'est pas ça que je veux. Je me demande si on pourrait pas faire un petit enclos ici. Ça risque... Ah ouais, mais non, la route elle passe par là. Ouais, complexe. Mais par contre, je peux par exemple faire un enclos ici. Ça pourrait être pas mal. Au pire, à voir. Qu'on se dit qu'on fait ça. On a combien de tunas? Oh oui, on a de la tunas. Donc c'est bon. Enclos. Construire. Comment je zoome? Okay, ça c'est fait. Seul truc que je voudrais mettre aussi, c'est au moins ça. Voilà. Après, on verra. On verra par la suite. Donc, ils sont venus. On va peut-être envoyer une XP. Ils sont tous frais. Cynocéros. Pourquoi pas? Je ne sais pas ce que c'est. Alors, 8. 800. Putain, c'est cher. C'est un sacré lustique. Est-ce qu'on avait des... Attendez. On a quoi? On a le Galliminus. Le Cétasaurus. Ah, ça serait pas mal d'avoir le Parasaur complet aussi. Pareil, il peut sûrement aller avec les Galli. D'ailleurs, j'ai quoi en... Ça, c'est quoi? Monkey, ok. Donc là, on a des Galli, T-Rex, et ça, c'est quoi déjà? C'est les... Ah, mais j'en ai déjà des Serra. Ok. Ouais, donc il va falloir essayer de centrer sur le para. Ça peut être pas mal. Ah, puis je joue aussi en ce moment à Wuthering Wave. Ah, ils ont quand même fait pas mal de progrès. Hein. Ils ont corrigé assez rapidement. Moi, j'avais un problème que ça s'éteignait toujours tout seul. Pardon. Bon, j'ai de temps en temps, mais très rarement. Je crois que j'ai eu une fois depuis où ça a figé en pleine cinématique.
Après, sincèrement, voilà, vous savez que moi et les dialogues, tant si ça reste intéressant et vraiment un principe nécessaire, je dis pas, mais alors par contre, si c'est uniquement du blablatage, ça m'intéresse pas, quoi. Ça, c'est quoi? La panoramique. Je pense que ça pourrait être pas mal en fait. En mettre un là. Et peut-être mettre une attraction genre comme ça. Putain, mais pourquoi il me le met à l'envers? Non! Non, 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 non. Putain, mais qu'est con. Dès qu'on aura, on mettra les tunnels au milieu là. On les a pas encore ça, hein. Je crois pas. Tac, tac, tac. Dôme panoramique, lésion tunnel. Découvrir la recherche. Est-ce que on l'a quelque part la recherche? On l'a ou pas? Compétence insuffisante, mais on peut l'avoir. Intéressant. Intéressant. C'est quoi ça? Ah putain. Voilà. Ah Marine. Ok, autant pour moi. Oh, pardon. Ouais, pour revenir à Wuthering Wave, il y a un truc qui me marque un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pris la totalité des choses qui marchent partout, et ils en ont fait, ou comme dirait Miss, ils ont pris tous les machins qui fonctionnent, ils ont foutu dans un sac, ils ont secoué, puis ça a sorti Wuthering Wave. Si vous regardez la plupart des puzzles que l'on a dans le jeu, c'est que des trucs que l'on aime, que des trucs qui font succès en fait sur les jeux mobiles et les trucs comme ça. Si vous regardez les comment ça s'appelle tout simplement le côté gacha, enfin gacha, vous regardez un petit peu le côté catch M-All, plutôt, donc un Pokémon, hein. Et ben en fait, vous allez attaquer les ennemis en espérant de. Je sais pas, alors, pour essayer de trouver un équivalent, prenez par exemple Genshin Impact. Genshin Impact, on fait les combats, et en fin de compte, au final, on a tendance à plutôt en esquiver certains. Et ben là, c'est l'inverse. Je trouve que justement, ouais, exact. Il n'y a pas de porte de service. Je pense que là, ça serait pas mal.
Quoi? Véhicule détruit? Carrément? Blessure, où ça? Stop. Wait. Où ça? Et ici, il me fait... Tu me mets tout, merci. Blessé, hémorragie interne. Putain, mais tu me casses les bonbons, toi. Ok. Donc. Tu pouvais pas te mettre ailleurs que dans les arbres, quoi. Non, c'était pas marrant, sinon. Ah, donc du coup, en plus, il faut que je le rendorme. Ok, alors, équipe. Équipe de capture. Hop, ajouter une tâche. Mais non. Oh putain, mais j'y arrive pas. Hein. Donc du coup, transport. Transporter. Ici. Il me faut 9. Combien on peut en mettre? 3, ça va. Spécialiste en bien-être. Elle a vraiment pas... Ouais. Il faut que je... Vraiment. Hein? Mais qu'est-ce qui me fait... Ah putain, j'ai pas... J'ai oublié de... J'ai merdé. Vous imaginez s'il y a vraiment un compteur de réveil tout ça, et que le T-Rex, pendant que l'hélico lève, il fait ça. Cible en transit. Bon, et comme d'habitude, hein, j'ai commencé Wuthering Wave, et puis je fais une pause, je regarde un truc, et puis on en reparle. Ouais, donc bah, le fait d'attraper les ennemis, là du coup, bah, on veut tout ça, on veut attaquer un maximum d'ennemis pour avoir la possibilité d'avoir... d'avoir des ah 6 sapins celui-là, oh la vache, 6 et 4, ok d'accord, ça marche. Spécialiste en génétique, 5. Ah ouais. Il m'en manque quoi? Attends. Ah mais non mais c'est bon ça. Ok, on va attendre de... Oh non mais alors, il y a les immolos les gens. La cible a bien été transportée. Ok. Affecter des scientifiques. Alors, 5, 3 et 2, non. 1. Ça, c'est fait. Maintenant, il y a une pathologie, je sais pas quoi. Elle est où, la patho? Ça, ça va.
route pour récupérer l'objectif. Je ne sais pas comment. Ah, attends. Voir le journal. 11 est en cours. J'ai un dinosaure qui a une pathologie, je sais pas quoi. Ouais. Ah, on est d'accord que c'est lui. Plus tard. Ok. Pas de Vos, hein. Ça me paraît bien. On peut encore me détruire un véhicule, bordel. On est d'accord qu'elle va repartir tout de suite pour aller lui administrer le traitement, hein. Non, je sais pas. Une EVM. T'approches de la grille et t'envoie. Parfait. C'est fait. Eh ben, on va renvoyer un... j'ai dit quoi? Il faut renvoyer... Par hasard, ça c'est fait. Façon... Oh, mais il y en a plein là. Je vais des par hasard. Allez hop, bon. Non. Comment on fait déjà? Filtre, type d'espèce, herbivore. Ça marche. C'est suffisant. Ok, on va venir ici. Ouais, c'est parfait. Ah, ok. Alors.
Parfait, allez, Fire, t'es la personne de qualité. Et en attendant, on va faire une... Hein? Non. Là, j'ai pas... Mais non. Monsieur Gros de Bouton. On va faire la recherche pour... Pour... Tac, ça. Amélioration du personnel. Ça permet de placer un second centre. Ouais. On va faire ça. Allez, 2 minutes. Tac. On pourra placer un deuxième centre du personnel. Je pense que c'est une très très bonne idée. Bon, on verra par la suite hein, ce qu'on va mettre là-dedans. C'est préparé. On verra s'il faut des mangeoires, s'il faut des trucs comme ça, mais... Pour l'instant, tout le reste est bon, donc... On fera les Parasaurus. Je pense, on est bien parti pour. Vous savez quoi, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Je pense que j'ai sûrement enregistré tout de suite un deuxième épisode. Comme ça, ça me prend un tout petit peu d'avance. En fait, il faudrait que j'apprenne à pas faire trop d'avance. Mais c'est un petit peu compliqué. Parce que je vous avoue qu'il y a des nuits où... parce que bon, vous savez que j'enregistre plutôt la nuit. Pour avoir... pour éviter tous les inconvénients de la journée. Hein, que ce soit du point de vue des enfants. Que ce soit du point de vue de la vie autour. Hein, puisque bon... Malgré que je sois en campagne, il y a une route qui passe juste à côté. Donc, on l'entend quand il y a des gros camions, des tracteurs qui passent. Donc, bon. Et comme on est plus ou moins connu, on a tendance à klaxonner devant la maison pour faire coucou. Mais en fait, ça me gêne plus qu'autre chose. Et aussi, les coups de téléphone, c'est un peu chiant. Donc, pour éviter tout cela, tout simplement, je fais de nuit. Et puis, malheureusement, en faisant de nuit, taux de sommeil qui est pas net. Mais en plus, il y a le côté la fatigue, plus par moment, c'est un peu compliqué. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le like, le commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche de notification pour être au courant de chaque sortie de vidéo ou lorsque nous sommes en live. Allez, ciao, bye bye. Tu vas aimer ce que t'as vu, contribue avec un like, abonne-toi et cloche pour savoir ce